Alors, le Roi René, en fait, est une marque bientôt centenaire qui a construit sa notoriété et son image haut de gamme sur un produit emblématique de la Provence, le calisson. Donc, le concept du Roi René est vraiment une représentation de l'univers de l'art de vivre en Provence, avec un focus important sur le calisson, qui est vraiment notre savoir-faire, le savoir-faire de la maison, mais aussi le nougat, les biscuits, enfin tout un univers sucré qui se décline autour de cette image de marque haut de gamme qui propose justement des produits de qualité avec une forte empreinte sur la Provence. En fait, même si nous sommes une marque centenaire, nous sommes au début de l'aventure de la franchise, puisque la première franchise remonte à 1 an et demi à peine. Donc on recherche avant tout des passionnés, des personnes qui croient en la marque, qui croient au concept et qui ont envie de construire l'aventure avec nous. Alors, conditions d'accès, on est sur un système de concession, donc avec un droit d'entrée de 10 000 euros et ensuite, pas forcément de royalties, puisque encore une fois, c'est un système de concession. Le Roi René, je pense que on est un acteur connu qui représente vraiment l'excellence française. On est aussi au début de l'aventure, alors avec aussi tout à construire et une page à écrire avec nous. Et je dirais que derrière le Roi René, il y a quand même une entreprise centenaire. Donc on n'est pas non plus un acteur opportuniste avec le risque de disparaître dans quelques temps. Donc il y a aussi cette réassurance du fait de notre forte histoire et empreinte française. Les principales étapes, en fait, c'est déjà une première rencontre à Aix-en-Provence avec la visite de notre fabrique. Nous, l'importance dans la relation, c'est vraiment que le courant passe et qu'il y ait un rapport de confiance qui s'installe dès le début. Donc, l'idée, voilà, c'est de faire connaître notre univers aux futurs franchisés. De lui faire aussi rencontrer les équipes parce que avant tout c'est une relation aussi de personnes avec une vraie proximité. Donc c'est important cette première rencontre à Aix-en-Provence. Et ensuite on affine ensemble le projet avec une fois que le projet commence à se confirmer, tout un travail sur l'accompagnement au niveau du choix de l'emplacement et de la réalisation du concept, de l'adaptation de notre concept à l'emplacement. L'actualité du réseau, écoutez, donc ça fait 1 an et demi qu'on s'est lancé dans la franchise. On a déjà 4 franchises qui ont ouvert depuis, dont une franchise à Miami. Donc c'est notre premier pas à l'international et donc on est très heureux. Ça s'est fait il y a 2 mois dans un nouveau centre commercial, le Brickell City Centre, qui est un centre très haut de gamme. Et donc on est très fiers d'avoir déjà ouvert notre première boutique aux États-Unis.